Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et cette semaine ça va, je suis plus malade donc je vous dis bonjour, merci de suivre nos lives, merci de suivre 101%. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de, le processus de création. Alors, qu'est-ce que le processus de création? C'est-à-dire, c'est quand vient l'idée, comment vient l'idée. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, ou il y a deux semaines plutôt, je vous avais parlé des séries que je regardais, que j'avais regardées à la télé, et j'avais parlé de la série Rome. Et en fait, on était dans la cave de No Life. On était à la rédac. En fait, c'est plus vrai de dire qu'on est dans une cave, mais c'est moins classe. Donc voilà, on était à la rédac et il y avait le 101% qui passait en rediff derrière. Et il y a un de mes collègues qui dit « Ah, moi aussi, j'ai beaucoup aimé la série Rome » et tout ça. Et on commence à parler de la série Rome. Et là, je lui dis « Oui, c'est vachement bien parce qu'ils essayent de coller à la réalité, mais il y a quand même des erreurs. » Genre, par exemple, les Romains écrivent sur du papier dans la série, alors qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore le papier. Et là, il y a ces moments-là rares qui arrivent que de temps en temps. Mon collègue de travail, dont je tairai le nom pour ne pas le... mais il est très gentil, et a dit « Ah, mais vu qu'il y a Cléopâtre dans la série et qu'on voit les Romains aller voir Cléopâtre, moi j'ai cru qu'ils avaient du papier parce qu'ils étaient en partenariat avec l'Égypte. » Et là, mais franchement... Rome en partenariat avec l'Égypte, j'imaginais des petits logos et tout sur les papiers, genre fabriqués par Cléopâtre et tout, et ça m'a fait exploser de rire. Et donc j'ai décidé que ce 101% allait être en partenariat avec l'Égypte. Voilà. Mais c'est un vrai 101%, donc il y a le sommaire. Il y aura les jeux téléchargeables Nobby, Nobby Boy, Oscillation, Debugmon, mais on commence avec les news de Pierre-Alexandre. Avis à ceux qui se sont procuré la version collector de Street Fighter 4. Un guide stratégique au format comics était fourni avec cette dernière, mais les fans ne pouvaient être que déçus par l'absence de nombreux persos et un nombre de pages restreint. Eh bien, Capcom USA pense à nous puisque la société met gratuitement à la disposition de tout le monde sur son site un guide stratégique au format PDF tout en couleur. Bien que les informations soient un peu succinctes et en anglais, on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative. On continue avec Street Fighter 4 puisque le second pack de costumes est disponible sur le PSN et le Live. Il est destiné à l'ensemble des personnages féminins du jeu, c'est-à-dire Cammy, Chun-Li, Sakura, Rose et Crimson Viper. Rappelons que le prix de ces nouveaux costumes s'élève à 4€ sur PS3 et à 320 points Microsoft sur 360. You win. Toujours sur le PSN et sur le Live, on trouve depuis peu deux démos à télécharger. La première concerne le jeu WWE Legends of WrestleMania et la seconde, qui n'est pour le moment disponible que sur le Live, propose de s'essayer à The Wheelman. Pour mémoire, Legends of WrestleMania est un jeu de catch qui proposera de revivre les plus grandes heures de la WWE aux côtés d'une quarantaine de stars telles Hulk Hogan ou André le Géant. De son côté, The Wheelman est un jeu d'action mettant en scène Vin Diesel et qui proposera majoritairement des courses de voitures, sans toutefois oublier les phases de shoot à pied. The Wheelman verra sa distribution assurée en France par Ubisoft, suite aux difficultés financières rencontrées en ce moment par son éditeur Midway. A noter qu'une démo PSN devrait également voir le jour, probablement aux alentours du 12 mars prochain. Milo Bure. I'm a Wheelman. On vous parlait récemment du contenu téléchargeable payant pour le dernier Prince of Persia. Eh bien, il est désormais disponible sur le PSN et sur le Live au prix de 10€ environ. Ce contenu additionnel inclut une région inédite, le palais souterrain, un nouveau pouvoir pour Elika, ainsi qu'une nouvelle attaque pour le héros ou encore des costumes supplémentaires. Stopped! He grows stronger every second!
Alors, c'est à 100% un partenariat avec l'Égypte. Donc, comment faire ressentir que c'est à 100% en partenariat avec l'Égypte? Donc, je pense que le... Bah oui, c'est hyper lourd, mais je pense qu'il faut que je présente le 100%. Non, pas de ce côté. Voilà, de ce côté. Comme ça, en plus, j'ai le retour. Mais ouais, mais c'est pour ça! On vient de résoudre un secret! Pourquoi les Égyptiens, ils dessinaient tout le temps les mecs de profil comme ça? C'est parce qu'ils regardaient le retour télé! On regarde les jeux téléchargeables. Cette semaine, à défaut de quantité, on a de la qualité sur les plateformes de jeux téléchargeables. Un jeu en commun pour le Xbox Live et le PlayStation Network, et deux anciennes productions sur la console virtuelle de la Wii. La série des Wonder Boys, c'est un peu la pagaille. Il existe ainsi deux Wonder Boy 3. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est Wonder Boy 3 Monster Lair. Le système de jeu change complètement puisqu'il flirte désormais avec le shoot'em up et non plus avec la plateforme pure. On retrouve cependant quelques petites allusions au premier Wonder Boy, comme les fruits rapportant des points. Loin de valoir les épisodes précédents, mieux vaut commencer par les autres titres de cette saga, également disponibles sur console virtuelle. Clu-Clu-Land est un classique de la NES. Même si de premier abord il ne paye pas de mine, il a su marquer les joueurs par son gameplay original. On incarne dans ce pseudo-puzzle game, Bubbles, un poisson tout rond qui ne peut se déplacer qu'en tournant via plusieurs axes disposés sur le terrain. Parfois, des gemmes apparaissent lorsqu'il traverse le quadrillage, le but étant de former un dessin à l'aide de ces gemmes. Des ennemis parcourent bien entendu les niveaux, et il faudra utiliser son sonar pour les assommer et les bloquer contre un mur afin de les faire disparaître. Clu-Clu-Land est jouable à deux en même temps, et c'est d'ailleurs en double que ce jeu montre toute sa valeur. Ce titre de qualité resté trop longtemps inconnu se voit aujourd'hui donner une seconde chance. Watchmen, le jeu issu du film, lui-même tiré des comics, ne sort pas en version boîte mais en jeu téléchargeable sur Xbox 360 et PlayStation 3. Une initiative intéressante, ne serait-ce que d'un point de vue financier, le jeu ne dépassant pas les 15€. Toutes les cinématiques sont dans la thématique visuelle des comics. Les phases de jeu, par contre, sont plus réalistes et à l'image du film, terne et sombre. Watchmen est un beat'em all tout en 3D, jouable à deux simultanément en écran splitté, qui ne révolutionne pas le genre. Les coups ne sont pas fantastiques, mais il est heureusement possible d'effectuer des combos en exécutant une séquence de touches pour la réalisation de QTE. Au départ, les joueurs ne commencent qu'avec de simples coups de pied et de poing, mais gagnent rapidement de nouvelles capacités. Malheureusement, seuls Rorschach et Nighthawk sont jouables. Trop classique et manquant de panache, Watchmen profitera de son petit prix pour séduire les joueurs. Cela faisait un an que tout le monde restait perplexe face aux images du nouveau projet de Takahashi Kaita, le créateur de Katamari Damashi. Initialement prévu pour fin janvier, c'est finalement le 19 février que l'on a pu le retrouver sur le PSN. Nobby Nobby Boy ne ressemble pas à grand-chose et encore moins à un jeu. C'est en quelque sorte un hybride étrange entre Snake, Katamari et une utopie pacifiste. Le nom Nobby Nobby Boy est un jeu de mots entre le verbe nobilou, s'allonger, s'étirer, mais aussi l'expression Nobby Nobby, se mettre à l'aise, se détendre. On dirige donc un être appelé Boy, dont le corps peut s'allonger à travers des niveaux générés aléatoirement. Pour cela, Boy doit se nourrir et s'aider du décor, car plus il est long, plus ça fait plaisir à un mystérieux personnage non jouable, Girl. Le tout se déroule dans un univers multicolore, ultra kitsch, à propos duquel le joueur ne cessera de se poser des questions. Boy se contrôle à l'aide des deux sticks analogiques de la manette, le stick gauche pour la tête et le droit pour les fesses. Un maniement assez inhabituel, auquel on s'adapte toutefois rapidement. Cette dichotomie gauche-droite, déjà présente dans Katamari, persiste dans les autres contrôles de Nobby Nobby Boy. Ainsi, L2 sert à manger des éléments et en toute logique, R2 à déféquer. Un peu à la manière du célèbre Snake, plus Boy mange, plus il grossit au sens propre du terme. Pour s'allonger, il doit tirer parti de son surpoids, car Boy possède une capacité singulière. Quand les deux parties de son corps prennent des directions opposées, elles s'allongent, et Boy grandit alors vite, très vite. Attention toutefois à ne pas se coincer, car Boy peut se casser. Dans ce cas, il faudra ingérer ses propres fesses afin qu'elles reviennent naturellement à leur place. Le corps de Boy grandissant toujours, encore et encore, il finira par dépasser les limites de chaque monde. Le joueur devra donc tirer parti de la topologie du terrain pour s'étirer au maximum sans tomber.
On peut s'enrouler autour d'arbres, de cages à poules, d'un moulin ou même se servir des nuages. Lorsque sa taille devient trop gênante pour pouvoir continuer, il existe plusieurs solutions. Rentrer dans la maison de Boy, aller donner sa taille à Girl ou tout simplement rapetisser en appuyant sur L3 et R3. Une pression rapide sur sa gâchette fait sauter la tête ou les fesses de Boy. Et il suffira d'appuyer en alternance pour le faire voler. Cette dernière manipulation permet en fait d'atteindre le soleil et ainsi de communiquer sa taille à Girl. Car Nobby Nobby Boy est aussi un jeu communautaire, bien que cela ne soit pas évident au premier abord. En effet, chaque Boy offre sa longueur à Girl qui grandit à son tour. Il existe d'ailleurs un classement mondial des joueurs consultables sur le dos de Girl. Le but de cette dernière, dont tout le monde semble être amoureux, est de rallier tous les habitants des différentes planètes du système solaire dans une ronde de fraternité et d'amitié universelle. Chaque joueur apporte donc une certaine valeur en mètres, et quand la distance donnée à Girl est suffisamment élevée, elle rejoint un nouvel astre. 4 jours seulement ont suffi pour que tous les joueurs réunis sur le PSN lui fassent atteindre la Lune, soit une distance de 384 403 km. Mais ce n'est qu'un début, car Girl compte bien nous emmener sur Mars si tous les boys du monde entier se tiennent une nouvelle fois la main. Lorsqu'un astre est découvert, il est possible de jouer dessus. Mais attention, la gravité et l'inertie n'ont rien à voir avec celle de la Terre. Ce qui est assez perturbant au départ, mais contribue à varier le gameplay. Outre cette finalité, Nobby Nobby Boy ne propose pas vraiment de but. Chacun pourra y trouver une manière différente de passer le temps. Essayer de fusionner les habitants avec d'autres objets en les avalant puis en les déféquant, tenter de gagner les trophées farfelus, dénicher les clins d'œil à d'anciens jeux Namco, ou simplement promener les créatures du jeu sur son dos. Le mini-jeu présenté au TGS 2008 est aussi débloquable grâce à une manipulation. Autre petite chose sympathique, on peut se rendre sur le site de Nobby Nobby Boy pour voir en temps réel les statistiques du jeu, dont l'évolution de la taille de Girl. Il est évident qu'un grand nombre de joueurs resteront complètement hermétiques, d'une part à l'univers acidulé de Takahashi, et d'autre part à l'absence de finalité de ce jeu totalement atypique. Pourtant, c'est ce qui fait tout son piquant, d'autant plus qu'il est proposé à tout petit prix. Pour les autres, Nobby Nobby Boy fera partie de ces jeux au charisme hypnotique et obsédant. Et une nouvelle fois, on ne peut que bénir les plateformes de téléchargement que sont le WiiWare, le Xbox Live Arcade et le PSN, qui permettent à de telles expériences ludiques de pouvoir voir le jour. On attend d'ailleurs avec impatience une prochaine grosse mise à jour qui devrait arriver dans 2 mois, comme l'a annoncé Takahashi Kaita dans ses interviews. Alors je pourrais continuer le gag longtemps, mais en fait j'ai un problème, c'est que je ne peux pas lire le papier qu'il y a sous la caméra qui m'indique ce que je dois vous annoncer. Genre qu'après, il y a oscillation. Alors, remarque, je peux faire... Oscillation. Contrastes musicaux dans Star Wars The Force Unleashed. Voilà. Mais... Ouais. Oui, j'y connais rien en Égypte. J'y connais pas grand-chose. En fait, les seuls trucs que je connais de l'Égypte, c'est que j'ai dû le lire un peu dans Tintin, dans Astérix et dans Ulysse 31. Oui, Ulysse 31. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, Ulysse 31. Mais j'avais flippé quand j'étais môme. Ulysse 31 rencontre le sphinx et la fille du sphinx. Et parce que le sphinx, c'est égyptien. Ah oui, le sphinx, c'est un corps de lion avec une tête de pharaon. Et le sphinx, en fait, il pose des énigmes. Ouais, mais je vais vous faire l'énigme du sphinx. Elle est dans Ulysse 31, l'énigme du sphinx. Alors, pour ça, il faut un accessoire, parce que sinon, ça fait pas classe. Comment je vais faire? Je vais faire un truc comme ça, je pense. Ça fait... Ah ouais, ça fait sphinx. Et alors, là, et ça, là, c'est le corps du lion. Oh, étranger! Alors, je fais pas en égyptien. Une énigme! Qu'est-ce qui est à 4 pattes le matin? Sur 2 à midi? Et sur 3 le soir? Ben, je vous laisse réfléchir pendant l'oscillation. Thank you.
La musique de Star Wars a marqué et continue à marquer des générations de jeunes et moins jeunes apprentis Jedi. Avec son style unique, John Williams a réussi à se hisser au niveau des compositeurs les plus connus de la planète. Il n'est donc pas étonnant que la musique de jeu dérivée de la célèbre saga présente un grand intérêt pour les connaisseurs. Star Wars The Force Unleashed est un jeu sorti en 2008 pour toutes les consoles les plus répandues. Sa bande originale fait environ 90 minutes, dont une bonne heure de musique originale composée spécialement pour le jeu par le compositeur Mark Griesky. Il y a beaucoup d'approches possibles pour cette bande originale. L'un des éléments les plus marquants réside sans doute dans les contrastes musicaux que l'on trouve dans une grande majorité des morceaux. Ainsi, des parties très mouvementées et des parties de suspense s'alternent dans cette bande originale afin de créer une atmosphère digne des films originaux de la saga. Le joueur est invité à s'immerger dans l'histoire et le spectateur d'antan devient acteur. Comment ces contrastes sont-ils créés ? Dans les parties rapides, on peut notamment entendre une rythmique très irrégulière qui garde l'esprit du joueur éveillé et alerte. On y trouve également un accompagnement très agité et répétitif. La percussion joue aussi un rôle très important, comme on peut l'entendre dans l'extrait suivant. On y trouve également de forts crescendi joués par les différentes sections instrumentales. Ces sons pressants semblent inciter le joueur à agir rapidement et sans hésitation. Un élément central de ces parties agitées est constitué par des interventions aléatoires d'un grand nombre d'instruments différents. Parfois, on dirait même que la musique se livre un combat. On peut particulièrement bien entendre ce côté dans l'extrait suivant. En contraste avec ces parties très agitées, on retrouve des parties assez flottantes qui créent une atmosphère inquiétante. Cette atmosphère est notamment créée par un son continu dissonant joué le plus souvent par les cordes. Les glissandi jouent également un rôle important. Mais ce sont surtout les bruits aléatoires et les changements de rythme qui ne cessent de surprendre le joueur et qui créent en lui un sentiment d'angoisse. L'alternance entre les parties agitées et les parties de suspense renforce encore l'impression du joueur de se trouver véritablement au milieu d'une histoire. Il a l'impression que quelque chose pourrait se passer d'un moment à l'autre et reste ainsi sur ses gardes pendant la totalité du temps. Il est indispensable de noter le travail remarquable de Mark Griesky, le compositeur de la bande originale de Star Wars The Force Unleashed. Il a fallu qu'il imite parfaitement le style de John Williams sans pour autant le plagier. Un exercice d'une très grande difficulté. Mais Mark Griesky a relevé le défi en utilisant habilement tous les éléments stylistiques de John Williams. De l'utilisation massive des cuivres et de la percussion jusqu'à l'orchestration très caractéristique,
Mark Griski a su allier les aspects techniques avec une grande imagination musicale afin de créer une bande originale unique, reconnaissable et digne de cette saga historique. As-tu trouvé l'énigme, mortel ? Oui, c'est l'homme. Oui, l'homme, le matin, il a quatre pattes, c'est un bébé. À midi, il est sur deux pattes. Et le soir, il est sur trois pattes parce qu'il est vieux et il marche avec une canne. Voilà. Et alors, cette énigme, dans Ulysse 31, j'avais trouvé ça, mais génial, quoi. J'ai dit, waouh ! Maintenant, là, que je la fais devant vous, j'ai un peu honte. Bref, alors le sphinx, pour les enfants qui nous regardent, parce qu'il y a des enfants qui nous regardent, et on a beau être ludique, on peut apprendre des choses pendant 101%. Alors toi, l'enfant qui me regarde, le sphinx, eh bien oui, donc c'est, comme je disais, un corps de lion avec une tête de pharaon, et il posait des énigmes aux voyageurs. Et si le voyageur y répondait mal, eh bien le sphinx, il le bouffait. Alors après, je ne sais pas pourquoi il posait des questions et si le gars, il répondait bien ce qu'il avait, ça, je ne me rappelle pas. Mais il le bouffait. Et pour que tu comprennes un petit peu ce que c'est, parce que toi, enfant, tu n'as pas forcément, tu n'as pas les références pour comprendre l'histoire. Donc, il faut te parler avec des choses que tu connais. Donc, imagine que le pharaon, en fait, l'Égypte, imagine que l'Égypte, c'est Fort Boyard. Voilà. Eh bien, le sphinx, c'est le père Fouras. Là, tu comprends ? Sauf que, imagine que lorsque le père Fouras, il a fini de poser sa question. Si le gars ne répond pas, eh ben le père Fouras, là, il ne jette pas une clé par une fenêtre. Non, il bouffe le mec. Voilà. Ah, j'imagine le truc, une tombe avec écrit « Dévoré par le père Fouras, on a retrouvé que sa tenue de plongée. » Ça le fait. On regarde Debug Mode. Là, en fait, on est samedi après-midi. L'émission passe demain à 22h30. Et je suis en train de faire une dernière saisie pour la dernière critique de la soirée. Et donc, voilà, on va commencer à uploader en fait, la soirée dès ce soir. Mais il manquera certainement un petit bout. Alors, on pourra uploader l'émission en complet, en pleine nuit. Donc, ce sont des jeux avec un PEGI 18+, c'est-à-dire déconseillé à la vente aux moins de 18 ans. Donc c'est pas une interdiction, mais c'est, disons que on a l'obligation par le CSA de diffuser des images de ces jeux-là qu'après 22h30. Donc du coup, on a créé un rendez-vous spécial puisque les jeux 18+ en règle générale, ce sont des gros titres. Type là, en fait, c'est GTA 4, la donne. Mais on a également du Metal Gear Solid 4, on a du Killzone 2, etc. Bref, il y a énormément vraiment de triple A, comme on les appelle, qui sont 18+. Donc on ne pouvait pas passer à côté sur No Life. Alors la soirée 18+, c'est vraiment compliqué au niveau du temps. Ça demande vraiment un boulot vraiment supplémentaire par rapport à 100%. Et 100%, on le fait déjà en flux tendu. On est déjà, donc chaque critique expliquée en temps et en heure, mais on n'a pas une avance folle. Donc dès qu'il y a la soirée du plus, une fois par mois, on est un peu dans le rush. Vu que tout le monde est charrette, parce que tout le monde a plein de trucs à faire pour les autres 100%, en fait, il y a du retard qui s'accumule. Et vu qu'au son, on arrive dans la dernière étape, le mixage et tout, en fait, on se prend dans la tête le retard de tout le monde. Donc on arrive en général, on mixe les derniers programmes la veille de la diff, voire le jour de la diff, c'est déjà arrivé aussi. Enfin, un peu comme d'habitude, en fait. C'est énormément de boulot, quoi. On fait ce qu'on peut, mais c'est énormément de soirées, voire de nuits passées sur ces émissions-là. Le 101% de demain est pas du tout fait, puisque là, on est en train de tourner le debug mode qui va passer dans le 101% demain soir. Il manque aussi les news, puisque Pierre-Alexandre était très occupé sur la soirée du plus, il n'a pas eu le temps de monter ses news. Donc là, si vous voyez les images telles quelles, s'il n'y a pas de mosaïque, c'est que vous êtes après 22h30. Par contre, s'il y a des mosaïques, c'est que vous êtes donc avant 22h30, parce qu'on n'a pas le droit de passer cette émission avant 22h30. Donc ça signifie qu'au niveau logistique, on est obligé de faire deux 101% différents, un avec les mosaïques et un sans. Vous avez certainement remarqué que dans la soirée classée 18+, donc dans laquelle on parle de jeux déconseillés aux moins de 18 ans, cette soirée est déconseillée aux moins de 16 ans. Alors, pourquoi ce mystère ? En fait, il n'y a pas de mystère. On parle donc de jeux qui sont déconseillés aux moins de 18 ans, sur lesquels il y a ce petit logo, 18+. Donc c'est le logo qu'on appelle le PEGI, qui veut dire Pan European Game Information, donc c'est un logo européen.
qui est donné par les éditeurs. Les éditeurs, ils ont un petit questionnaire dans lequel ils doivent remplir est-ce qu'il y a de la violence, est-ce qu'on tape des gens, est-ce qu'il y a des actes immoraux qui sont faits, etc. En fonction de ces critères, ils vont donner donc un certain un classement, donc qui va être par exemple pour ce jeu 12+. Ça, c'est le classement pour les jeux. Mais en télé, en France, on a d'autres obligations qui sont données par le CSA. Et le CSA, lui, il a un classement, donc c'est déconseillé au moins de 10 ans, déconseillé au moins de 12 ans, déconseillé au moins de 16 ans et déconseillé au moins de 18 ans. Déconseillé au moins de 18 ans, c'est surtout pour la pornographie et pour des films très violents, comme par exemple Saw 3, qui est déconseillé au moins de 18 ans. Donc ça, No Life n'a pas le droit d'en passer. Et ensuite, le CSA a dit les jeux qui sont 18+, ça passe que dans des émissions qui sont déconseillées au moins de 16 ans. Les jeux qui sont 16+, ça passe dans des émissions normales, mais il faut, faut les présenter, il ne faut pas juste montrer les images, etc. Donc il y a un ensemble de règles qui sont différentes. Et donc c'est pour ça que les jeux 18+, on en parle dans des émissions qui sont déconseillées au moins de 16 ans. L'habillage de l'émission est tout nouveau depuis la dernière. Donc il y a Olivier Roch qui a fait tout l'habillage de Placé 18+. Mais on a également la 3 minutes pas plus, qui est une petite rubrique qu'on avait créée pour l'émission, dont l'habillage vient d'être fait pour cette dernière, là, qu'on va diffuser bientôt, qui est refait par Davy. Un super petit habillage. Et donc voilà, c'est vraiment, tout le monde participe. Et puis je parle même pas de Clem et de Mathilde, qui doivent tout mixer, parfois genre relativement tardivement, comme ça avec le cas là pour cette critique-là. Donc il va falloir que je me grouille pour pas que Clem rentre pas trop tard chez lui ce soir. Hein. Donc en fait, j'ai enregistré un cri de femme, et à partir de ce cri-là, en fait, j'ai décliné tous les jingles qu'on entend. Ça, c'est le cri de base quand je l'ai enregistré. Puis après, j'ai fait plusieurs recherches en mettant des effets. J'arrive à des choses un peu comme ça, qui font un peu plus monstre. Et là, notamment pour en fait le jingle des news, en fait, vu qu'on a un panneau en fer, qui se prend un coup de hache. Je me suis dit, ça pourrait être marrant qu'on essaye de penser que ce cri, en fait, puisse être fait par le panneau en fer. Donc, il fallait donner un truc un peu de fer dedans. Enfin, voilà, du coup, ça donne ça. Voilà, la soirée est terminée. Diffusée demain 22h30. Donc, l'upload va être lancé. Et puis voilà, ça a été beaucoup de boulot, quoi. Hyper important à faire parce que déjà il n'y a personne d'autre qui le fait. Et puis honnêtement, enfin, quand on est adulte, c'est super agréable d'avoir des jeux qui sont faits pour les adultes. Et à 18+, ce sont des jeux qui sont faits pour les adultes. GTA 4, c'est un jeu qui est vraiment excellent. C'est un jeu pour adultes, certes, mais on est très loin des jeux où on fait juste pam pam boum boum, on s'amuse à tuer des gens. Enfin, c'est pas du tout le cas. On vit quelque chose d'épique, une vraie histoire. On vit un film, quoi. Et c'est super important de parler de ce genre de jeu. J'ai beau réfléchir et j'arrive pas à me rappeler un jeu vidéo qui a été fait, qui se passe en Égypte. J'arrive pas à me rappeler d'un jeu vidéo cool, bien fait, qui se passe en Égypte. Alors si j'essaye de me souvenir, je me rappelle une sorte de FPS avec de la magie, mais je crois que c'était pas terrible. Peut-être qu'Infogrames a fait un jeu sur la BD Papyrus. Mais qui a envie d'y jouer ? Bref, pour terminer ce 100% spécial Égypte, hein, en partenariat avec l'Égypte, je pense que... Comment faire ? Ah bah oui ! Je vais retirer mon cerveau avec ce bout de métal. Voilà. Et puis, à dans 2 jours, et puis demain, c'est Benoît. Ah bah, voilà. Il n'y a plus de son. Mon pantalon qui tombe.